Bon allez, un programme spatial secret et alors c'est extraterrestre. Tome 1, et là je vous fais directement. Là il fait chaud, donc une chaleur. Là, on est début août, nous sommes le 8 août, là, au moment où je vous parle. Donc c'est terrible. Voilà, tome 1, et là je vais vous lire la suite. Ralph Ring révèle la réussite du développement de l'OTC X1 par car, hein, Otis Car. Voilà, et j'ai vu qu'il y avait plein de choses intéressantes. Plein de choses intéressantes. Il y aura même une 17e vidéo. Avec la crédibilité du témoignage de Ralph Ring. J'ai vu qu'il y avait plein de choses intéressantes vers la fin. C'est horrible. Voilà, il y a plein de trucs à lire. Je sais plus où j'ai vu ça, mais il y a des trucs terribles. Je crois que c'est vers la fin. Oui, en plus, il y a. Oh là là, oui. En plus, il y a les groupes Hittites, reptiliens draconiens, syriens, Anunnaki, Aldébaran, intraterrestres, solariens, alpha centauriens, lyriens. Donc, il y a plusieurs races extraterrestres, quoi. Véjaliens, pléadiens, procéiens, tocétiens, andromédiens, pardon, syriens, humites, acturiens. Enfin, voilà. C'est énorme. J'ai vu qu'il y a plein de vidéos. À la fin, c'est vraiment horrible. Voilà, donc au moins à peu près 30 vidéos. 30 vidéos, 20 vidéos qui en tout. Là, je suis à 15e. Là, c'est un 15e. C'est ça, hein? Ouais, 15e. Donc, il y aura une 16e. Donc, il y aura forcément environ 20 vidéos. Peut-être un peu plus. Donc, je fais pas exprès, mais je suis comme un cochon. Alors, bah, déjà que je suis facilement, moi, donc, faut pas grand-chose. Ralph Ring révèle la réussite du développement de l'OTC X1 par car. Et c'est parti. Je suis content parce que j'ai trouvé plein de vidéos encore. Donc il y en aura encore au moins 5. Au moins 5, je vais dire. Après celle-ci. Hein. Donc c'est pas encore fini. Alors, Ralph Ring révèle la réussite, hein, ce que j'ai essayé la dernière fois à d'autres vidéos, du développement de l'OTC X1. En mars 2006, un individu peu connu a révélé publiquement qu'il avait été l'un des trois pilotes d'un vol d'essai réussi du prototype grandeur nature de car, l'OTC X1. Bon. Technicien à l'époque, Ralph Ring affirme avoir été recruté pour faire partie de l'équipe de car qui tentait de construire un prototype de vaisseau spatial de près de 14 mètres après sa relocalisation en Californie en 1959. Bon. Ring était aussi un inventeur talentueux et frustré par l'absence d'intérêt du secteur industriel envers les principes innovateurs de l'énergie électromagnétique. Antérieurement, il avait aidé le célèbre océanographe français Jacques Cousteau. Déjà, on rentre quand même dans les trucs. Cousteau, c'est quand même Husky, c'est quand même ici, hein, français. Hein. Donc là, on rentre dans des trucs quand même assez costauds. Hein. Oui, a développé le scaphandre autonome et il avait travaillé pour la suite pour Advanced Air Kinetics, un organisme de recherche financé par le gouvernement. Au cours d'une série d'interviews et de présentations publiques, Ring a raconté les circonstances de son départ d'Advanced Air Kinetics. Il affirme qu'il avait résolu deux problèmes complexes d'ingénierie impliquant l'électromagnétisme. Sûr d'obtenir une promotion, il fut plutôt sermonné par le directeur qui lui a dit que la compagnie était financée par le gouvernement et qu'ils étaient payés. Pour chercher des solutions, non pas en trouver. Bon, en proie à la frustration, Ring a alors quitté son emploi. Il a rencontré Carr à la fin de Otis Carr, Otis T. Carr, à la fin de 1959 et il fut rapidement impressionné par ses idées, y compris le projet de construction d'un vaisseau spatial civil. Lors de sa première interview publique, il a décrit Carr comme suit. C'était un génie incontestable. Tesla, donc Nicolas. Hein. La seule chose, avait reconnu cette qualité immédiatement et lui avait enseigné tout ce qu'il savait. Donc vous voyez déjà, il se connaissait entre Tesla et Carr. Hein, d'accord? Il était inspiré comme Tesla, il semblait savoir exactement quoi faire pour que quelque chose fonctionne. C'était un homme réservé et il avait aussi une pensée très métaphysique. Je pense que son absence de formation formelle en physique le servait. Il n'était pas limité par des idées préconçues, aussi fou que cela puisse paraître, il était déterminé à voyager jusqu'à la Lune. Et il croyait réellement que c'était possible. Je le croyais, nous le croyons tous. De toute façon. Ring a participé directement à l'essai des modèles réduits de l'OTC X1 développé par Carr.
Il explique qu'ils ont été testés avec succès et qu'ils présentaient des caractéristiques uniques en atteignant une certaine vitesse de rotation. Bon. Le métal se changeait en argile eau. On pouvait y faire pénétrer un doigt. Il n'était plus solide. Waouh. C'est pas la science-fiction, hein. C'était devenu une autre matière, comme s'il n'était pas entièrement dans notre réalité. C'est une sorte d'autre dimension. Oui, c'est ça peut être dangereux aussi, attention. C'est la seule façon dont je peux le décrire. C'était troublant, l'une des plus étranges sensations que j'ai jamais éprouvées. Ah, t'imagines, tu mets ton doigt dedans, dans le métal, mais il était plus solide. En fait, c'était une autre matière. Ça passe à travers, quoi. Plus important, Ring affirme que le prototype de près de 14 mètres de l'OTC-X1 développé par Carr a été complété et testé avec succès en 1959. Bon, il dit qu'il fut l'un des trois pilotes du vaisseau qui a parcouru 16 km instantanément. Il a expliqué comment Carr aurait pu maintenir la communication avec les trois pilotes qui devaient effectuer une série de tâches avant de retourner au site de lancement. Quand on lui a demandé si l'OTC-X1 avait volé jusqu'à sa destination, Ring a répondu ceci. Voler n'est pas le mot juste. Il a traversé la distance. Il a semblé le faire en un rien de temps. J'ai été avec les deux autres ingénieurs que nous avons parcouru 16 km. Je pensais qu'il n'avait pas bougé et j'ai cru qu'il avait échoué. J'étais complètement ahuri quand nous avons réalisé que nous étions revenus de notre destination avec des échantillons de roches et de plantes. C'était un succès spectaculaire. Ça tenait davantage de la téléportation. Ça fait un peu penser au film La Mouche. Bon, malheureusement, ça finit mal. Très grand film pour moi. Très beau film. C'est un film très beau, sinistre, beau à la fois. C'est peut-être un des seuls films où je pleure le plus à la fin, je pense. La Mouche. Ah, bon, c'est un autre sujet. Bon, bref. Je m'évade. C'est parce que j'ai pas suivi le cinéma. Bon, la téléportation. Alors, Ring a expliqué comment le vol d'essai avait pu modifier le cours du temps. Bon. De plus, le temps a paru se déformer. Vous imaginez le truc. Nous avons eu l'impression d'avoir été dans le vaisseau pendant 15 à 20 secondes. Oui, parce qu'il y a aussi le missing time. Hein. On nous a dit après coup que le vol avait été soigneusement chronométré et nous n'avons pas été dans l'appareil plus de 3 ou 4 minutes. Bon, je ne comprends toujours pas parfaitement comment ça fonctionnait. Mais eux, ils avaient l'impression que ça durait 15 à 20 secondes. Remarquablement, la déclaration de Ring permet de croire que Carr avait développé un système de propulsion possédant des similitudes avec l'unité de propulsion temporelle développée par la société du Vril et qui pouvait effectivement téléporter un vaisseau spatial dans l'espace-temps. Okay. On allait que les idées de Tesla furent une composante essentielle de l'expérience de Philadelphie, hein, qui en 1943 a réussi à téléporter l'USS Eldridge dans l'espace et le temps. Il y a même les marins de l'époque, ils étaient même encastrés dans le bateau. Hein, je sais pas si vous imaginez un petit peu. Encastrés dedans, hein, comme dans la ferraille. Hein, ils ne pouvaient plus bouger. Hein, d'accord? C'est un truc de dingue. Hein. Si c'est le cas, il semble que Tesla, alors que Tesla ait partagé certaines de ses idées avec Carr, qui les aurait subséquemment intégrées dans l'OTC-X1. Une autre partie remarquable du témoignage de Ring concerne le système unique de navigation utilisé par les pilotes pour contrôler les déplacements de l'OTC X1. Selon Ring, ce système utilisait l'intention consciente des pilotes plutôt que la technologie classique. L'utron était la clé de tout. Carr disait qu'il accumulait l'énergie à cause de sa forme et qu'il la focalisait et qu'il réagissait aussi à nos intentions conscientes. Quand nous dirigeons l'appareil, nous ne manipulions aucune commande, nous entrons dans un état méditatif et nous nous concentrons tous les trois sur les faits que nous voulions obtenir. Je sais que cela semble ridicule, mais c'est ce que nous faisons et ça fonctionnait. Carr avait appliqué un principe inconnu selon lequel la conscience se mêle avec l'ingénierie pour créer un effet. On ne peut mettre ça en équation. J'ignore totalement comment il savait que ça fonctionnait, mais ça fonctionnait. Le succès du premier vol d'essai de l'OTC-X1 grandeur nature signifiait que les projets de vol dans l'espace et de voyage vers la Lune pouvaient désormais procéder sérieusement. Avant d'annoncer les résultats au grand public d'Iring, Carr et son équipe travaillaient sans relâche pour terminer le programme d'essai. La partie la plus dramatique du témoignage de Ring concerne ce qui s'est produit 2 semaines après l'essai réussi de l'OTC-X1.
Il affirme que le centre d'opération de Carr fut fermé par le FBI et d'autres agences gouvernementales lors d'un raid secret impliquant 7 ou 8 camions pleins d'employés du gouvernement. De toute façon, c'est comme Nikola Tesla, tous ces laboratoires, enfin tous ces trucs high-tech, technologie, tout ce que tu veux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ça, c'était fermé, tout ça, les nazis, hein, bon bref. Ok, le mec est fini dans la pauvreté, enfin même, c'était devenu une véritable merde, alors que c'était un très grand génie, hein, Nikola Tesla. Le FBI a dit à Carr que son projet est... Il n'y a pas que Edison, hein, c'est toujours même Edison par-ci, Edison par-là. Ouais, et Tesla, c'est quoi? C'est de la merde? Bon bref, à un moment, faut quand même se réveiller. Le FBI a dit à Carr que son projet était fermé parce qu'il menace de détruire le système monétaire des États-Unis d'Amérique. Effectivement, si le test d'un vaisseau spatial civil avait pu aller de l'avant, il aurait révolutionné le secteur énergétique et l'industrie aérospatiale. L'industrie énergétique traditionnelle qui utilise des carburants fossiles pour produire de l'électricité et l'industrie aéronautique serait devenue redondante, pardon, du jour au lendemain. Le manque de profit aurait fait perdre leur emploi à des milliers de personnes. Les conséquences financières de l'existence d'une industrie spatiale civile utilisant l'énergie électrique de l'atmosphère comme carburant aurait très certainement fait subir une énorme pression au système monétaire américain, causant possiblement son effondrement. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Comme on dit, le crack, le je sais plus quoi, bref, c'est un truc de dingue. Au cours d'une série d'interviews et de présentations publiques, Ring a déclaré que les agents du FBI avaient confisqué tout l'équipement, y compris le prototype de l'OTC X1. Ils ont interrogé tous les employés, leur ont intimé de garder le silence sur ce qui s'était produit. Elles auraient fait signer à Carr les ententes de non-divulgation. S'il est vrai, le témoignage de Ring révèle ce qui est réellement advenu du projet radical du vaisseau spatial civil d'Otis Carr. T. Carr, bon, enfin, ça c'est initialement. Plutôt que d'être une supercherie ayant trompé de nombreux investisseurs, son vaisseau spatial civil s'est avéré un succès. Lequel succès menaçait tellement les intérêts établis du secteur énergétique sur ce projet qui fut étouffé. Bah oui, sinon c'était un effondrement possible du système monétaire américain. Donc forcément, étouffé avec la totale approbation d'un nombre choisi d'agences gouvernementales concernées par son impact financier sur le système monétaire des États-Unis. Carr lui-même dut subir de fausses accusations destinées à le discréditer, évidemment, et mettre fin à ses efforts audacieux pour développer une industrie aérospatiale civile. Et pourquoi pas l'enfermer dans une prison psychiatrique? De toute façon, quand t'es pas autrement que les autres, et quand t'es pas dans la pensée unique, forcément, t'es dingue. Ah oh, oui, bien sûr. C'est très facile à dire. Hein. Alors que là, je parle de l'époque, mais à l'époque actuelle. Ceux qui sont des fake news, ceux qui sont complotistes, ce sont les médias, la télé. C'est eux, les complotistes, c'est eux les fake news. Parce que c'est des gens qui sont payés par des oligarques, des patrons, hein, qui manipulent le peuple, qui manipulent les médias et les médias qui manipulent le peuple. Alors, à quoi que ça sert de regarder des informations? De toute façon, 90% de ce qu'ils disent, c'est du pipeau. Voilà. Ouais. Hein, c'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Bah, je coupe là. La crédibilité du témoignage de Ralph Ring, ça sera très court. Je ne sais pas si je le lirai parce qu'il y a quand même une image intéressante de l'OTC X1 fournie par Ralph Ring où il est complètement abandonné le vaisseau. Hein, c'est passé, hein. Malheureusement, je ne vais pas vous faire la photo. Abandonné, il n'y a plus rien. Bon, bah, je coupe là. Bon, on m'avait dit qu'il y avait un décalage entre la vidéo et quand c'est trop long, entre ma voix et je parle. Bon, écoutez. C'est peut-être parce que quand c'est des vidéos trop longues, mais c'est pas de ma faute. Hein. Une main-d'œuvre esclave sur Mars, ça va intéresser quelqu'un. Votre ami Andreas. Il y a même des races extraterrestres, je sais plus quoi. C'est magnifique. Il y a plein de choses à dire. Que se passe-t-il après 75 000 ans? La lance des êtres de sphère et la mise de la quarantaine de la Terre. Bon, la divulgation complète. Oh, c'est un avion bleu. Je ne vais pas tout faire voir. Bon, je sais plus, j'ai vu ça. Enfin, j'ai vu plein de trucs extraordinaires. Bon, je vais couper là. Je ferai la petite vidéo aussi de la crédibilité du témoignage de Ralph Ring, mais elle sera très courte, hein, la prochaine. La 16e, elle sera très courte. Mais c'est pas grave.
Voilà. Ralph Ring révèle la réussite du développement de l'OTC X1 par car, Otis T, car, et je coupe là, merci, qui se fera à peu près 16 minutes, le générique. Donc à bientôt, à la prochaine. Il y a du très lourd encore, il y aura encore au moins 5 vidéos, je dirais, 5. Je vais dire 5. Bon, je pense que ce sera un peu plus, mais je vais dire 5. À bientôt, merci. 2-3 jours.